Le service a évolué au fil des dossiers et des missions qui lui ont été confiées pour des opérations qui restent quand même à caractère très très sensible. C'est une poignée de personnes. Quand je prends le service, je crois qu'on doit être 7 ou 8. Donc le directeur des opérations, à cette époque-là, a déjà dans la tête de développer les capacités de ce service, de le monter en puissance, puisqu'il a conscience que le renseignement clandestin est un savoir-faire d'avenir. À partir de là, il me donne carte blanche dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de recrutement. Le deal, c'est que personne n'est au courant, à part le DO, le DG. Et moi, bien entendu. Je suis civil, j'ai jamais été militaire. J'ai eu une activité dans le privé avant d'entrer à la DGSE. Je pense que mon passé professionnel tient une grande part. Et puis j'étais déjà intéressé par la géopolitique, par les relations internationales. Et puis j'étais jeune, j'étais célibataire, j'avais envie d'action. C'est forcément attrayant. Donc un jour, on m'appelle, on me dit « Tiens, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer pour te proposer un job. » Bon, bah, oui, ok, pas de problème, je suis curieuse. J'étais étudiant et en fin d'études. On vous dit « Tiens, peut-être que par tes études, par ta tournure d'esprit, par ton envie de t'engager au service de l'État, ce serait bien que tu rencontres ou qu'on te mette en contact avec des gens de la DGSE. » Ils cherchent, je pense, des gens avec un intérêt marqué pour les relations internationales. En tout cas, c'était pour moi, c'était ce cas-là. Parfois, c'est la maîtrise d'une langue rare ou de nombreux voyages. J'ai la chance, grâce à l'appui du directeur des opérations à l'époque, de pouvoir consulter le dossier des candidats qui ont été reçus au concours de la DGSE. Généralement, ça représente une trentaine de candidats. Je fais une sélection de 3, 4, 5 profils qui m'intéressent. Je les fais venir dans un bureau anonyme de la DGSE. Je les questionne. Bref, j'apprends à les connaître un petit peu mieux. En fait, je ne leur vends rien. C'est eux qui se vendent. Je veux dire par là que je leur demande bien évidemment quelles ont été leurs motivations pour rentrer à la DGSE, puisque c'est quand même pas une démarche anodine. En tout cas, moi, je ne fais simplement que leur ouvrir l'esprit à l'éventualité de travailler dans un contexte qu'ils n'ont pas forcément imaginé. On vous vend le mystère. On ne vous vend pas des détails ou des précisions tout de suite, on vous vend plutôt justement cette partie tu vas faire des choses uniques, secrètes, que peu de gens connaissent. Voilà, une vie un peu trépidante, un métier voilà, rare, unique, atypique et riche. Le métier dont on va parler aujourd'hui, c'est un métier, c'est pas un jeu. Il m'avait dit « Je ne peux pas te dire ce que tu vas y faire, parce que pour l'instant, tu n'es pas pris. C'est juste un premier entretien. » Mais je te promets que tu vas pas t'ennuyer. J'étais analyste au départ, hein, pur et simple. Que c'est risqué, mais que tu vas vivre ce pourquoi tu es venu à la DGSE, c'est-à-dire faire le vrai métier d'agent terrain. Il m'a donné aucun exemple, il m'a présenté personne. Il m'a dit, de toute façon, c'est toi qui décideras de tes missions la plupart du temps. Il y a seulement deux limites, c'est un, de pas te faire prendre, et deux, d'être productif. Et en revanche, tu auras une confiance totale de la part de tes chefs. Et au bout d'un moment, je leur pose la question de savoir si un travail opérationnel, le clandestin, les intéresserait. Or, ce sont des gens qui ne se sont pas du tout préparés à ça, puisque pour eux, rentrer à la DGSE, en particulier pour des gens qui ont le parcours classique, qui sortent de Sciences Po ou d'un DESS de relations internationales, par exemple, leur vocation naturelle, c'est de servir comme analyste au sein de la direction du renseignement. Donc je les mets un peu brutalement au pied du mur, ce qui a généralement pour effet
chez eux de les ancrer dans une espèce de stupeur, puisque, évidemment, ils ne sont pas du tout préparés à ça. Et là, le chef de l'unité clandestine me dit, voilà, je suis à la tête d'une unité qui fait des choses un peu spéciales. À vrai dire, il ne m'a vraiment pas dit grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vais vous faire rencontrer quelqu'un qui va vous en dire plus. Alors, oui, forcément, ça m'intéresse, vous ne m'avez rien dit. Dans 80% des cas, ou peut-être même 90% des cas, les candidats, après un court temps de réflexion, acceptent, sans même savoir, en savoir plus, puisqu'évidemment, je ne dévoile pas le travail du clandestin. Tu leur laisses un temps de réflexion ? Je leur laisse 4 minutes de réflexion. Ils comprennent, de manière un peu brutale, que finalement, on leur demande de devenir un espion. Donc il y a à la fois une stupeur et puis une espèce de fascination et d'attrait pour un monde qui, par définition, est complètement mystérieux. Ça va paraître curieux, mais j'ai quasiment signé sans savoir ce que c'était. C'est-à-dire qu'on connaît les buts, on sait que ça va être un service où on joue sans filet, où on n'est pas dans la sécurité d'une couverture diplomatique. Donc j'ai rencontré, en fait, une autre agent clandestine. On parle des risques, des contraintes, que ce soit dans la vie quotidienne en France, comme évidemment quand on part en mission à l'étranger. C'est quand même une décision sérieuse à prendre, importante, des responsabilités. Je suis parti une semaine à la montagne et j'ai réfléchi. Et puis, en rentrant, j'ai dit banco. Je passe les tests de sélection, je n'ai aucune connaissance du service clandestin. Je sais qu'il existe un milieu lié au renseignement pur, je sais qu'il existe un domaine lié à l'opération, qui est le service action pour pas le nommer, qui dépend d'une direction particulière qui est la direction des opérations, mais je n'ai aucun élément concernant ce service, qui est effectivement un tout jeune service dont personne ne parle, et qui ne figure à l'époque dans aucun des organigrammes que l'on peut se procurer. Un jour, j'ai reçu un coup de fil me demandant de venir me présenter à Paris pour un entretien qui n'avait absolument pas lieu ni dans la centrale, ni dans un lieu lié à l'institution. On les convoque donc à Paris, on leur loue un hôtel, et ensuite on rentre pour une période de 15 jours à 3 semaines dans la partie évaluation du candidat. C'est tout d'abord un entretien basé sur, je dirais, la perception de l'individu. Est-ce qu'il tient la route psychologiquement? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est construit? Dans le but de définir quelles sont mes attentes et d'évoquer très rapidement, mais très succinctement, quelles sont les leurs. On ne veut pas de tricheurs, on ne veut pas de mythomanes, on ne veut pas de menteurs. Donc des gens qui soient foncièrement honnêtes intellectuellement. Et suit une partie terrain qui dure donc une dizaine, une douzaine de jours, où il s'agit là de mettre les candidats en situation. L'objectif, c'est donc d'évaluer ces qualités foncières qu'on a cru déceler chez le candidat, et surtout d'amener le candidat à se transcender, c'est-à-dire à devenir, l'espace d'un instant, quelqu'un qui n'est pas dans la réalité. Ce qui est effectivement très difficile pour la majorité des candidats, mais en tout cas c'est le but, puisque de toute façon, lors des missions opérationnelles, c'est ce que les candidats devront faire dans la réalité. Alors en fait, on m'a donné un budget en me demandant d'avoir un look de son domicile fixe. Demain matin, tu viens avec ce costume-là, rendez-vous telle heure à République. OK. Bon, bah maintenant, dans la prochaine rame, faut que tu fasses une diversion type manche,
Sauf que juste faire la manche dans le métro, il n'y a pas grand monde qui lève la tête. Donc j'ai joué une fille un peu éméchée, en hurlant, en parlant comme un charretier, pour justement réveiller les gens qui lèvent leur tête, pour que pendant ce temps, le reste de l'équipe puisse mener une action qui soit à vue de la majorité des personnes. Donc en fait, ma plus grande angoisse, c'était d'échouer au test, mais parce que j'aurais croisé quelqu'un que je connais. C'est ça qui m'angoissait le plus. Alors la diversion, c'est à la fois un test, mais c'est aussi un mode opératoire qu'on utilise pour permettre à une équipe de faire ce qu'elle a à faire, éventuellement des photos, de poser un dispositif d'écoute ou quelque chose comme ça, et repartir sans qu'elle soit détectée. Et sinon, j'ai aussi bien rigolé pendant ces tests, notamment le test où on vous demande, c'est un test qui est maintenant mondialement connu puisqu'il fait partie d'une des scènes de Spy Game, où on demande à Brad Pitt d'apparaître à la fenêtre d'un appartement. On s'est arrêté à un arrêt de bus, mon instructeur m'a montré un immeuble, il m'a dit « Tu vois le troisième étage ?» Oui, oui. Là, t'as 15 minutes pour apparaître à la fenêtre avec un verre d'eau. Pourquoi un verre d'eau ? Les 15 minutes ont commencé. Ok, ok, j'y vais. Et j'y suis allé. Au bout de 15 minutes ou... Ah non, beaucoup plus rapidement. Sachant que la fenêtre en question peut être un appartement privé, peut être des bureaux, peut être n'importe quoi, et qu'il n'y a absolument aucune connivence de la part des personnes qui vivent ou qui travaillent dans cet endroit-là. C'est un peu au libre cours de l'imagination de chacun, mais voilà, il y a la jeune fille qui a perdu son petit chat, il y a le monsieur qui vient faire des relevés de je ne sais quoi, voilà. L'enjeu n'est pas de réussir ou d'échouer au test. En fait, l'objectif est de déterminer comment vous réagiriez dans telle ou telle situation, de tester quand même une certaine résistance physique. Les journées de test commencent tôt, finissent tard et sont particulièrement denses. Vous dormez peu, vous ne savez pas ce que vous allez faire d'une journée sur l'autre, vous êtes potentiellement suivi, observé, vous devez vous habituer à vivre aussi dans la solitude, qui est, je dirais, le maître mot de la vie du clandestin. Je n'ai fait que des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et je sais, parce qu'il y en a plusieurs avant moi qui ont fait des tests, hein, que parfois, au bout de quelques jours, on s'aperçoit qu'on n'est pas fait pour ce job et qu'il vaut mieux arrêter. On ne peut pas subir. On ne peut pas être en souffrance intellectuelle pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans sur le terrain. Donc le jeu doit être très clair et très transparent dans un sens comme dans l'autre. Alors je les convoque individuellement, tête à tête. Et dans le cas de résultats positifs, je redemande une dernière fois au candidat s'il est toujours volontaire pour rejoindre mon service. Généralement, il me dit oui. Et je lui impose là un certain nombre de règles. La première consiste à ne jamais évoquer le fait qu'il ait été préempté et testé pour ce service. La deuxième est qu'il rejoigne le stage de formation commun à tous les personnels intégrant la DGSE, stage qui dure 7 à 8 mois, que pendant ce stage, il ne fasse aucunement état du fait qu'il a déjà été sélectionné par un service et que, évidemment, il est tenu d'avoir d'excellents résultats à ce stage. Voilà les conditions. Le groupe de clandestins qui a été recruté à ce moment-là est formé en même temps. Déjà, le cloisonnement est très très fort entre l'unité clandestine et le reste de la boîte. Enfin, vis-à-vis du reste de la DGSE, on peut presque parler d'une mise en quarantaine. On est vraiment, au sens propre, retiré du service. C'est impossible, vous n'allez pas arrêter de fréquenter les personnes que vous fréquentiez avant, c'est pas possible. Alors vous allez prendre du retrait, vous allez être beaucoup moins présent au siège de la DGSE, ce qui est normal, voire même plus du tout. Et c'est là où il faut au maximum se protéger pour éviter que tout le monde sache à l'intérieur de la DGSE ce que vous allez accomplir au titre du service clandestin. Alors, il n'y a pas de vie commune, hein, proprement dit,
on peut se connaître, ça peut arriver que l'on se fréquente dans le cadre du service au gré de nos missions et de nos retours en France, mais c'est très cloisonné. On ne connaît pas les identités des autres clandestins, par exemple. Et on rentre là dans une deuxième phase, qui est une phase de formation et de mise en condition de clandestinité, qui va durer à peu près un an, où on apprend à l'agent à se comporter comme un illégal, tout en se comportant comme un légal. Je dirais que la philosophie est que le candidat prenne l'habitude d'être un passe-muraille, de ne pas apparaître dans le paysage. En fait, on lui apprend à se comporter comme un terroriste. Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup sur cette formation. Un des premiers exercices auxquels on doit se livrer consiste à remplir une mission simple de renseignement dans un pays étranger et ensuite à revenir. Et au retour en France, souvent les choses se gâtent puisque des fonctionnaires des douanes qui peuvent travailler sur ce genre d'exercice au contact du ministère de la Défense et de la DGSE trouvent un prétexte au moment du franchissement de la douane pour intercepter l'agent. Entre guillemets, mis à poil, on doit, vis-à-vis de fonctionnaires, démontrer que l'on est effectivement ce monsieur tout le monde qui s'est rendu en Bulgarie, en Hongrie ou en Jordanie avec une mission tout à fait légitime et que si les réponses que l'on apporte ne sont pas jugées suffisamment crédibles, ça peut durer toute une nuit, voire une journée, une nuit, un petit peu comme une garde à vue. Et en aucun cas, bien entendu, vous pouvez vous permettre de sortir le joker en disant « Stop, je suis fonctionnaire du ministère de la Défense ». Il y a tout un savoir-faire qu'on nous enseigne. C'est quelque chose de très sérieux, qui est préparé, anticipé, analysé, qui se fait pas tout seul. Pour le coup, j'imaginais ça un peu d'une façon assez solitaire. Or, pas du tout, c'est toute une équipe qui l'accompagne dans le montage de cette couverture et même aussi après, encore une fois, sur le terrain. On n'est pas loin d'une famille, donc oui, on se fait confiance. La confiance, c'est vraiment un élément déterminant, surtout dans l'adversité. C'est un peu comme une équipe de sport. On attaque ensemble, on défend ensemble et on gagne ensemble. Et si on échoue ensemble. Alors la clandestinité, c'est un mode opératoire qui va permettre de préserver, de cacher les actions d'un service de renseignement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne peut dire que cette action d'entrave ou ce renseignement a été obtenu par un service. La clandestinité donc, s'appuie sur les gens des couvertures. La légende, ça consiste à se créer une nouvelle vie. Et la couverture a secret un métier. C'est une des raisons pour lesquelles je cherche dans mon recrutement des jeunes qui aient pu avoir une expérience dans l'humanitaire, par exemple, ou dans le journalisme. Ça peut être du commercial, ça peut être en gros n'importe quoi, à partir du moment où cette activité professionnelle sera cohérente par rapport à l'environnement dans lequel l'OT en mission sera amené à évoluer. On ne va pas envoyer un commercial, sauf si c'est un vendeur d'armes, mais ce n'est pas le genre de choses qu'on pratique, dans une zone qui est en conflit ouvert. Les couvertures de journalistes ou d'humanitaires aujourd'hui, je dirais presque que c'est des anti-couvertures. On s'y attend tellement, ou alors ce serait justement comme une sorte de diversion pour attirer l'attention
pour que justement à côté il y ait une couverture totalement autre dont personne ne va se méfier. Le but d'une couverture justement c'est ça, que ce soit logique de nous voir et qu'on se dise pas « Attends, celui-là ou celle-là, qu'est-ce qu'il vient faire là ?» Bon, effectivement, un journaliste, c'est normal qu'il pose des questions, c'est normal qu'il aille voir plein de gens. Un humanitaire, c'est pareil, c'est normal qu'il soit dans les zones de conflit, c'est normal qu'il ait des contacts avec les autorités locales, etc. Et c'est tellement évident que qu'est-ce que... Bon, non, c'est trop évident. La légende, c'est vraiment la vie que vous vous créez. Si possible, il faut que ce soit pas si loin de vos qualités, de vos faiblesses, en fait. Il faut que ce soit une extrapolation de vous-même qui va vous permettre d'exploiter ce que vous êtes, mais dans une autre vie. Pour se créer une nouvelle vie, c'est bien de s'appuyer sur des choses connues. Donc de mélanger sa propre vie, la vie de proche, décaler dans les dates, décaler dans les lieux, mais qu'on doit pouvoir raconter... sa vie sans attirer l'attention. L'idée, bien sûr, c'est de protéger son identité réelle et de protéger sa famille. Il est évidemment plus simple de construire une légende pour quelqu'un qui a 26-27 ans et qui sort d'études supérieures plutôt que de bâtir une légende pour quelqu'un qui a 35, 40 ou 45 ans. Être clandestin, c'est un changement de vie. Qu'est-ce qui nous permet, nous, d'aller dans ce pays sans se faire détecter comme agent du service pour accomplir cette mission qui protège à la fois l'agent et qui protège également le service. Puisque, je le rappelle, la règle de base, c'est que le service ne reconnaît pas les missions qui sont faites par ses agents. On peut très bien partir sous sa propre identité. Mais si on est clandestin, on comprend tout de suite qu'il faut absolument démarquer sa vie de tous les jours des liens qu'il relie au service. C'est-à-dire que monsieur Yves Dupont, lorsqu'il part en mission, aura une adresse qui n'est pas la sienne, aura un compte en banque qui n'est pas son compte en banque personnel. On peut le faire également sous identité fictive. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le clandestin doit pouvoir adapter sa vie de tous les jours au futur mode de vie qu'il devra avoir pour sa mission. On n'utilise pas forcément ce qu'on appelle l'identité fictive, dont on a vu les limites, je pense notamment à l'affaire du Rainbow Warrior il y a quelques années, où on a bien vu que les identités fictives utilisées par les deux agents ont tenu 48 heures. Si c'est une identité fictive, il faudrait créer toute une vie. Alors si c'est des chebabs de Somalie qui n'ont aucun moyen de renseignement en France, à la limite, ou des talibans, c'est pas très grave. Si c'est contre les Russes, ils mettront pas très longtemps pour comprendre que cette légende, c'est une légende, et ils vont la faire écrouler très vite. Nous sommes des gens normaux au départ, et tout ça, c'est une question d'entraînement. Ça demande beaucoup d'entraînement. Lorsque j'ai été en opération, sous couverture clandestine, je me trouvais depuis plusieurs mois dans une zone de guerre. Un de mes contacts, qui ne me connaissait que sous couverture, vient me voir un jour et me dit « Écoute, tu trouves pas que machin, là, il a un comportement un peu bizarre ?» Je dis « Je sais pas, de quoi veux-tu parler ?»« Écoute, je sais pas, mais il parle pas, il est très discret. » Pour moi, c'est un mec de la DGSE. Alors je lui réponds spontanément, écoute, j'y connais rien dans ces trucs-là. Mais maintenant que tu m'en parles, t'as peut-être raison. Ce qui signifiait une latitude énorme pour faire mon boulot. Pour moi, c'était le summum. Donc j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixés, j'étais crédible, et j'avais même réussi de manière complètement indirecte à faire attirer l'attention sur quelqu'un qui, pour le coup, n'avait rien à voir avec les services de renseignement. L'essence même de ce service clandestin, c'est d'aller au contact des mouvements insurrectionnels. Aïdid était un des chefs de mouvements insurrectionnels qui tenait une partie du territoire somalien. Se retrouver au contact de personnes comme ça, c'est toujours un petit peu tendu.
parce qu'on sait qu'on a en face de soi un homme qui n'a pas d'état d'âme. On reste concentré sur sa couverture, parce qu'évidemment, je n'étais pas reconnu comme agent des services, sinon là, mon sort était réglé. J'ai senti en le voyant un homme déterminé. Il a longuement regardé mes papiers qui étaient évidemment bien entendu faux. On était dans une cave au fin fond d'un quartier complètement paumé d'une ville africaine. Et vous vous dites là pendant ces deux minutes que votre sort est entre les mains d'une bande que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue, où vous vous sentez totalement vulnérable. Et vous vous sentez totalement lié à ce que vous avez appris en stage, finalement. Et vous savez pertinemment que le moindre stress que vous allez manifester peut être mal perçu et peut insinuer que vous êtes un espion. On bascule de la notion de « on vous parle » ou de la notion de « vous êtes un espion » et vous allez vous retrouver otage. Donc tout ça, c'est pour moi, je dirais, deux minutes les plus intenses de ma vie de clandestin. Je ne les oublierai jamais. Ce sont souvent des mouvements en situation de faiblesse par rapport au gouvernement en place dans le pays. En général, l'accueil est toujours favorable parce qu'on sait très bien que c'est une occasion, une opportunité de pouvoir passer de l'information en direct sans qu'elle soit déformée. On retombe dans les constantes des mouvements insurrectionnels qui souhaitent que leurs idées soient reconnues. Je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans des conditions extrêmes. Limite du génocide, et le contexte est souvent dramatique. On parle d'attaques de populations civiles, voire de famine. On va depuis un soutien économique, financier, un soutien politique, un soutien militaire. Toujours une grande attirance pour le monde du renseignement, pour l'ombre. Et puis, aujourd'hui, toute opération, et notamment on le voit dans le Sahel, pour monter des opérations, il y a besoin d'anticiper, il y a besoin d'un renseignement en amont. C'est ce qui m'a toujours passionné. Et plus encore que ce renseignement qu'on va aller chercher, eh bien, c'est de pouvoir être infiltré, c'est d'avoir cette excitation qu'on a pour capter une information brute, sans être détecté, et sur laquelle on sera capable de donner un avis sur la fiabilité. J'imagine mal qu'on puisse rentrer dans ce genre de carrière sans avoir un minimum de patriotisme chevillé au corps. Maintenant, il y a d'autres motivations aussi. Ça peut être simplement le goût de l'aventure, ça peut être le goût de faire des choses hors du commun, cette espèce aussi de perversité, de faire des choses interdites. Je pense qu'il y a une forme de défi de se prouver qu'on peut endosser une autre vie. Et qu'on peut être parfaitement légitime et convaincant. Je pense que c'est assez excitant de recruter une source parfaitement inconsciente, de réussir avec le temps à gagner sa confiance et à lui tirer les vers du nez, comme on dit, en recueillant des informations extrêmement sensibles. On prend du plaisir à manipuler une source, pas pour la manipulation de la personne, juste pour pouvoir répondre aux besoins du renseignement de la mission. On sait très bien pourquoi on est parti et pourquoi on va s'intéresser à telle personne et pourquoi on va lui mentir, la manipuler, l'obliger à nous dire des choses, pas forcément qu'elle n'a pas envie de dire, mais dont elle ne soupçonne pas à qui elle le dit. On est là pour servir les intérêts de l'État français et souvent, je dis, des intérêts sécuritaires. Donc c'est un vrai plaisir d'obtenir le renseignement nécessaire à la mission.
Les techniques de manipulation de sources reposent sur ce qu'appellent les Américains le MICE, c'est la Money, Ideology, Compromission, Ego. M comme monnaie, donc la source, on la recrute et on la rémunère. Maintenant, c'est pas parce qu'on donne de l'argent qu'on a du bon renseignement et il faut éviter de faire de votre source, pardonnez-moi l'expression, mais un bon fonctionnaire parce qu'il va être très enchanté de récupérer de façon régulière de l'argent, mais le renseignement risque d'être de moins bonne qualité. Donc si le renseignement est bon, on paye. S'il est moins bon, on paye moins, on paye pas. Il n'y a que dans les pièges à rats que le fromage est gratuit. I comme idéologie. L'idéologie, c'est parfait. Aujourd'hui, on le voit dans le recrutement d'un certain nombre de jeunes djihadistes par l'État islamique. Le recrutement se fait à l'idéologie. C, compromission, c'est un vecteur qui est très peu utilisé par le service. Moi, on m'aurait demandé de le faire, ça ne m'aurait pas gêné. Non, je veux dire, c'est pas... Non, c'est pas... C'est une éthique pour le service, peut-être. Mais moi, ça ne m'aurait pas gêné du tout de compromettre Pierre, Paul ou Jacques, si on me l'avait demandé. Voilà, la personne sait que c'est qu'elle a en face un agent d'un service sous couverture officielle et que on agite devant elle des photos ou des choses un peu délicates à assumer. Bon, c'est du chantage. Elle pourra tomber dans le chantage ou non. Quand on est clandestin, c'est plus compliqué. Donc ben on dose, on essaye certaines choses, hein. La manipulation, c'est tout un tas de techniques. Après, quand on est officier clandestin et qu'on manipule des sources, on les manipule de façon complètement inconsciente. Enfin, quand on est en tout cas en clandestinité totale. Donc le chantage, c'est pas le premier outil qu'on utilise, non. Il faut que ce soit plus subtil, sinon c'est déjà se faire découvrir. Après, l'ego... Mettre en avant quelqu'un, rendre hommage à ses qualités, à l'information qu'il vous donne, c'est mettre en confiance vos sources. Moi, personnellement, ce que j'ai préféré utiliser, ce sont l'argent et l'ego. D'abord l'ego, parce qu'en fait, la plupart des gens adorent parler, montrer à quel point ils sont brillants, et après, il faut alimenter avec de l'argent. Et il ne se considérera pas lui-même comme un traître potentiel si vous avez su jouer sur l'ego et si vous lui avez donné un prétexte pour ne pas croire qu'il était un traître. C'est pas si évident. On joue sur la zone grise de la notion de la trahison. Je m'explique. Si vous êtes un diplomate français sous couverture diplomatique, la personne que vous avez en face de vous, il se doute bien que vous faites partie du service, sinon vous ne poseriez pas des questions sur son programme nucléaire. Si vous êtes clandestin, vous pouvez lui raconter une belle histoire. Oui, j'ai besoin pour mon patron, c'est juste un petit rapport. Tout travail mérite un salaire, je te donne un peu d'argent. C'est la même logique, sauf que lui, il se sera créé toute une mythologie comme quoi il n'est pas un traître. On est là pour recueillir du renseignement. On n'est pas là pour forcer quelqu'un à le donner. Au contraire, c'est vraiment à l'antithèse du service clandestin qui agit par la ruse. Pour moi, ne pas dire ce que je fais n'est pas mentir. C'est faire mon travail d'officier traitant, c'est-à-dire aller recueillir une information que je n'aurais pas si j'y arrivais en disant bonjour DGSE, dites-moi tout. Ensuite, j'assure la protection de ma famille en montant effectivement sur qui je suis à l'extérieur. Ce qu'il y a, c'est que on ment sans arrêt. On ment toujours dans l'exercice. Dans l'exercice du métier, de la couverture. Et on ment aussi là où on vit, avec sa famille, dans l'environnement du coin. Je pense que c'est la première qualité du clandestin qui joue toute sa vie, pendant qu'il est en activité, un jeu de rôle. Qui doit pouvoir mentir à son environnement le plus proche, y compris à sa femme. Parce qu'on sait tous qu'un jour ou l'autre, les confidences sur l'oreiller peuvent être dramatiques. On a une vie comme tout le monde, et cette vie, on va devoir la gérer. Ce qu'on va devoir gérer en premier lieu, c'est notre sécurité, la sécurité de notre famille. C'est-à-dire que si on ment à sa famille, si on ne lui dit rien, on va forcément entraîner une frustration
et amener peut-être des membres de cette famille-là à être moins prudents. Pour traiter, entre guillemets, la famille, c'est très facile. Il suffit de parler de son métier comme d'un truc rébarbatif, rasoir et inintéressant. D'un seul coup, les questions s'arrêtent très très vite. Où les gens, en fait, sont plus à même de parler d'eux, parler de ce qui les intéresse, que de poser des questions. Finalement, votre famille, c'est un petit peu vous qui allez devoir avoir la responsabilité de savoir ce que vous pouvez leur dire. Pour ma part, il n'y a que mon compagnon qui sait que je pars en mission. Et puis, j'avoue que je l'ai un peu laissé se débrouiller tout seul avec les amis, la famille, les voisins. Voilà, il est devenu, lui, expert en prétexte. Du coup, parfois, je me suis dit, mince, faudrait pas qu'il se mette à vouloir avoir une deuxième vie parce qu'il serait très, très bon pour me faire gober n'importe quoi. J'ai jamais menti. Il y a des choses que juste je ne disais pas. Le mensonge, il était simplement dans mes états de service, mais ça, c'était le problème administratif. Mais par contre, effectivement, mon épouse ne savait pas où j'étais. Alors moi, j'ai une position un peu iconoclaste sur ce sujet-là. Je conseille toujours à mes officiers traitants, à l'époque, d'avoir un confident, qui peut être le mari ou la femme, qui peut être le père, la mère, un très proche ami. On est quand même évidemment dans un métier à très très forte pression, où on doit subir un stress permanent, où on doit mener une double vie, où on doit mentir en permanence, où on peut être, le cas échéant, exposé à des risques. Et il faut impérativement, pour moi, que la personne ait un exutoire. On peut mentir sans vraiment avoir l'impression de mentir. Quand on incarne totalement sa mission, son personnage, quand vous posez une question, elle est orientée, mais elle est naturelle par rapport à ce que vous prétendez être et ce que vous êtes construit comme personnage. On n'a plus besoin de calcul. Voilà, on bascule dans un autre personnage qui n'est pas vous. Et c'est là où il faut savoir que ce n'est pas vous, en tout cas après la mission. Certains appellent ça la schizophrénie, mais c'est presque l'inconscient qui bascule aussi dans le nouveau personnage. On peut être amené à faire des rêves en identité fictive. Obtenir du renseignement nécessite de prendre des risques, d'aller par moments à la frontière de la moralité. Mais c'est un curseur qui est très, 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 très sensible. Et c'est une question qui n'apporte pas une seule réponse. Moi, je me suis posé cette question-là à partir du moment où j'avais créé des relations proches avec des capteurs, des sources locales, qui, bien sûr, ne savaient pas que je les manipulais. Et donc j'ai dû cesser des relations humaines de manière abrupte, sans que les gens comprennent. J'ai dû les utiliser potentiellement contre leur propre pays, d'une certaine manière. Et on ne peut pas dire que ce soit extrêmement moral, au sens personnel que j'ai de la moralité. Donc j'en ai tiré une définition, mais qui n'appartient qu'à moi, c'est que la moralité des services de renseignement, c'est d'utiliser les faiblesses humaines pour le bien commun de la France. Ça m'a posé des cas de conscience, mais j'ai toujours considéré que le but ultime était plus important que mes propres petits cas de conscience. À partir du moment où vous rejoignez la DGSE, vous acceptez de servir l'État, on vous demande une grande intégrité intellectuelle et éthique. Et je pense que franchir la ligne jaune de la moralité en permanence est quelque chose qui n'est pas acceptable pour le service et n'est pas accepté. L'État français me demande de travailler à la marge de la légalité. Je le fais en toute conscience et en toute loyauté. Les objectifs de la DGSE sont d'assurer la sécurité des citoyens et des intérêts de l'État. La fin justifie les moyens. Les enjeux sont suffisamment importants pour l'ensemble de la société. C'est des enjeux sécuritaires, mais aussi des enjeux stratégiques, de choix politiques.
Aujourd'hui, les relations internationales, les États sont interdépendants. On choisit d'utiliser le moyen de la clandestinité, qui est un moyen, qui n'est pas un objectif en tant que tel, quand les autres moyens de renseignement ne sont pas suffisants. Après, c'est des, voilà, c'est des décisions plutôt, plutôt confidentielles. L'avantage d'un montage clandestin, c'est qu'on va choisir, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va le monter pour être au plus près de la cible. Nous, on va chercher à immerger un officier traitant dans une zone qui nous intéresse, avec l'idée qu'il va pouvoir travailler plusieurs années sur cette zone. La notion de durée est donc déterminante et capitale. Il va falloir passer une première barrière qui concerne toutes les questions qu'on peut lui poser. Monsieur, pourquoi vous venez ici? Le pays est en guerre ou est en crise, etc. Qu'est-ce que vous venez faire? Et la deuxième idée dans cette notion de durée, c'est qu'il devienne un peu un habitué du paysage, qu'il ait su nouer les contacts au bon niveau pour aller chercher le bon renseignement. Il faut que ce soit dans une zone ou sur un terrain qui va intéresser les autorités politiques pendant des années. Je me rappelle très bien qu'on avait fait Paris du Sahel il y a 10 ans, parce qu'on sentait tous qu'il y avait une fracture forte sur cette zone-là et qui allait aspirer beaucoup de groupes. Grégoire, qui est à la tête du service clandestin lorsque j'y rentre, a été réellement un visionnaire dans la mesure où il a réussi à infiltrer des agents comme moi sur 3 théâtres majeurs entre 1 et 3 ans avant le déclenchement de guerre. C'était le cas en Afghanistan, c'était le cas en Irak, et ça a été le cas également en République démocratique du Congo. Ça illustre la capacité d'anticipation et ça illustre aussi la pleine vocation d'immerger des agents avant qu'ils puissent réellement remplir leur mission. La France est confrontée à une menace terroriste d'une violence qu'elle n'a pas vécue depuis plusieurs dizaines d'années. Et pour contrer cette menace qui nous touche dans l'Hexagone, mais aussi à l'étranger, eh bien, il y a besoin de renseignements, d'informations. C'est le travail des agents de la DGSE. Le gros sujet de l'époque, c'était effectivement les camps d'entraînement, c'était les prémices du mouvement islamiste. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement nous avons demandé à Massoud de nous aider à lutter contre cela, parce qu'il était fermement convaincu que ces camps d'entraînement étaient à l'encontre déjà de l'islam, d'une part, et d'autre part, à l'encontre du développement de son pays. Et il n'a pas eu tort, parce qu'il l'a payé de sa vie. On sentait que tout cela allait monter en puissance. Massoud nous le disait également. Pour la énième fois, ils nous disent ce qui va se passer.
et que ce scénario, contre lui-même, contre l'Afghanistan, serait certainement doublé d'une attaque majeure contre l'Occident. Est-ce qu'on aurait pu prédire qu'il allait se passer cet événement d'envergure le 11 septembre aux États-Unis? Je crois que... Je crois pouvoir affirmer que nous avons assisté, et j'étais aux premières loges, avec la création de ce qui est devenu Al-Qaïda, à la mise en place d'une méthodologie que je retrouve absolument dans ce qui se passe aujourd'hui, on peut le dire, sur la Syrie et sur l'Irak avec Daesh et le califat. Connaissant ce mode opératoire, il aurait peut-être été possible de donner des coups d'arrêt si nous avions eu la volonté de nous interposer, de frapper quand il le fallait, à certains endroits, à certains moments, certaines personnes. Quand je dis frapper, j'entends bien entendu par là neutraliser, j'entends tuer. Il y avait des structures à démolir, il y avait des réseaux à neutraliser, il y avait des personnes à tuer, c'est évident, et ça fait partie des missions des services secrets. Moi, je n'ai pas une critique à mener sur les choix qui ont été faits à l'époque. Avec le rebours, c'est facile de dire on aurait dû. Mais si on se reporte 20 ans en arrière, qu'est-ce que c'était que l'Afghanistan à cette période ? Quand il y avait d'autres problèmes dans d'autres endroits beaucoup plus sensibles et qui touchaient beaucoup plus directement les intérêts français. La France ne se sentait pas visée par cela, malgré ce que disait Massoud en disant « Si vous ne nous aidez pas, nous, un jour, vous l'aurez ce problème dans votre pays. » C'est difficile de convaincre parce qu'il y a toujours d'autres priorités et l'Afghanistan, à l'époque, ce n'était pas la priorité numéro un. La question, c'est pourquoi on fait de la clandestinité, eu égard au risque humain physique, mais au risque diplomatique. Si un officier traitant en poste, c'est-à-dire sous couverture diplomatique, un diplomate n'est qu'un espion dans une ambassade, se fait prendre avec les doigts dans le pot de confiture, bon, lui sera expulsé, ses sources, pour peu qu'elles soient locales, seront emprisonnées ou pire, c'est accepté. Est-ce que c'est moral, pas moral, c'est pas mon problème. Mais bon, ça fait partie du jeu des États. Le clandestin, s'il se fait prendre, pour lui, ça va être un très gros problème. Et puis diplomatiquement, s'il y a des preuves réelles que la France est impliquée, ça va être compliqué à expliquer. D'où le fait que nos autorités aient toujours une certaine réticence à utiliser ce type de sources humaines. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de zones dans le monde, et il se trouve que ce sont ces zones-là qui sont intéressantes, où il n'y a pas de représentation diplomatique. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas tellement d'autre choix que d'envoyer des agents clandestins. Mais, globalement, ils prennent plus de risques, et ils font prendre plus de risques politiquement que les agents classiques. On se fixe une limite à ne pas dépasser, on la sent quand on est sur le terrain, parce qu'on... On a une certaine habitude, au fur et à mesure des missions. Si j'avais poussé les limites trop loin, je pense que je ne serais pas là pour en parler. Denis, c'est moi. C'est ta femme qui te parle. Je passe ce message à la radio en espérant que tu m'entendes, là où tu te trouves quelque part en Somalie. Je veux te rassurer, te dire que nous allons tous bien. Les enfants vont bien, ils sont solides, ils travaillent très bien à l'école et sont en parfaite santé. Ils pensent beaucoup à toi, ils sont très fiers de leur papa. Tes parents vont bien également. Nous sommes tous très entourés. On prend soin de nous et surtout n'aie aucune inquiétude là-dessus. Aucune, vraiment, Denis. Nous t'aimons et tu nous manques énormément. Alors prends soin de toi, Denis, et surtout de ta santé.
J'ai confiance en toi, en ton mental et en ta solidité. Tout cela, tu nous l'as transmis. J'espère que ce message arrivera jusqu'à toi et t'aidera à tenir. Nous sommes tous avec toi, tous. On ne lâche rien, et tu me connais, je ne lâche rien. Il te faut rentrer maintenant, nous attendons tous ton retour. Tu nous manques. Nous t'embrassons bien fort, nous t'aimons. Je t'aime, Denis. Je suis avec toi, chaque jour qui passe. Aie confiance. La détention a duré 3 ans. Il faut étudier toutes les pistes. Les personnes qui sont là pour analyser le renseignement, faire le point au directeur général, c'est du 24 heures sur 24. C'est particulièrement éprouvant. Et quand un des nôtres est dans une situation difficile, c'est toute la DGSE qui est derrière. Toute la DGSE. Dans l'actualité ce soir, l'information est confirmée par le Quai d'Orsay. 2 Français ont été enlevés en Somalie. À la réception de leur hôtel, ils s'étaient enregistrés comme Denis et Marc. Officiellement, 2 journalistes français en reportage à Mogadiscio. En fait, des agents de renseignement, leur enlèvement a pris moins de 10 minutes. C'est un sujet ultra délicat habituellement pour les gens du service, ce sujet-là, parce que c'était quand même une situation très compliquée à régler. On était toujours dans la recherche d'une solution à ce problème. Hein. Voilà, on avait énormément d'espoir que ça se termine bien. Voici les premières revendications des ravisseurs. Un communiqué en français qui demande l'arrêt du soutien militaire de Paris au gouvernement somalien. Marc Aubrière est libre. Il a réussi à s'enfuir en pleine nuit. Je suis content d'être libre, mais je me fais du souci pour mon collègue qui est encore retenu en otage. L'enlèvement d'étrangers est très fréquent dans ce pays, l'un des plus dangereux au monde. Les services secrets ont réussi à le localiser. C'est là, à Bulomarère, que les militaires français ont lancé l'assaut en hélicoptère. Le commando devait libérer Denis Alex, agent des services secrets, otage depuis 3 ans et demi. Lors de l'assaut, de violents affrontements s'engagent. Le sort de Denis Alex reste incertain. Les Chebabs affirment que l'otage est toujours en vie. Tout donne à penser que malheureusement Denis Alex a été abattu par ses geôliers. Ça s'est mal terminé pour lui, mais il fallait que ça se termine. La plus grande crainte de tous mes camarades, c'était l'enlèvement. Escalité, c'est-à-dire que les gens en face savent exactement qui vous êtes, et là vous allez passer vraiment des moments très compliqués. C'est la pire des choses qui peut arriver à un OT clandestin. Nos pères, on les garde pour nous. Quand on a œuvré à l'unité clandestine, on sait très bien dans quelles conditions il est parti, quelle prise de risque il a choisi d'assumer pour la sécurité de son pays jusqu'au péril de sa vie. Donc c'est forcément toujours des moments où on pense à ce que représente cet engagement. Je vais être très, très direct, c'est malheureusement les risques du métier. Et cette vie, on en connaît les risques quand on l'épouse. Et il n'est pas question de revenir dessus. C'était quelqu'un de très équilibré, de très calme, de très sensé. Donc la nouvelle de sa mort a été vécue par moi, comme par tous mes camarades, comme un grand drame. Maintenant, eu égard à sa famille, je n'en dirai pas plus. Alors, il ne faut pas oublier une des missions principales de la DGSE, c'est la diplomatie parallèle. En étant très prudent sur ce mot à qui on fait tout raconter. Dans toutes les ambassades où j'ai travaillé sous couverture, l'ambassadeur m'a toujours demandé, en dehors même de mes activités parfois de la DGSE, mais très souvent les deux se recoupaient, de faire ce qu'ils appellent eux le sale boulot, c'est-à-dire d'aller discuter avec les voyous, avec les gens qui ne sont pas fréquentables. Pour des raisons très simples, c'est compromettant pour eux de s'afficher avec les gens que la politique officielle de la France
critiquent, récusent. D'un autre côté, ces gens-là, il faut bien les écouter et parfois leur faire passer des messages très clairs et très nets. Et c'était le cas avec les talibans, il fallait quand même que quelqu'un les écoute. À partir du moment où les talibans avaient pris Kaboul, on n'avait plus de représentation diplomatique. Alors que les talibans contrôlaient 80% du territoire. Ça m'a permis, pendant quelques mois, de rencontrer des responsables politiques talibans. Il ne me paraît absolument pas aberrant d'aller au contact de personnes qu'on ne peut pas reconnaître officiellement. Je trouve que même c'est une faute de ne pas le faire, même s'ils ne sont pas forcément dans l'esprit et dans les valeurs que nous défendons. Alors, je ne vais pas vous dire que ce n'était pas un régime de tortionnaire. C'était certes une dictature qui fonctionnait par la violence, qui massacrait un certain nombre de minorités, mais en même temps, ils sont reconnus par trois pays, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Ils ont une représentation non officielle à New York, auprès des Nations Unies. Donc, certes, c'est infréquentable, mais dans la réalité, il y a plusieurs canaux de communication qui existent. On va dire ça, c'est un des points forts des services de renseignement, c'est qu'un service de renseignement, il joue le champ complet. On avait des contacts avec Massoud, avec l'Alliance du Nord, on avait des contacts avec les talibans, et on avait également des contacts avec un certain nombre d'opposants aux talibans. Un officier de renseignement, il ne se pose pas la question de savoir si les gens sont bien, pas bien, il recrute des sources qui peuvent lui amener de l'information clé. Massoud, par ses propres services de renseignement, par ses moujahidines, était en mesure de renseigner la DGSE sur les talibans. S'il fait un prisonnier, c'est toujours plus intéressant d'avoir un officier traitant sur place qui est en mesure de participer à l'interrogatoire que d'avoir l'information par une source ou par différents rebonds. Il ne fait pas ça uniquement parce que c'est la France. Il fait ça parce que la France va le soutenir en termes de formation, en termes d'armement. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai été probation et je le suis tout de suite. Et heureusement. Parce que si je l'avais pas été, jamais lui ou ses correspondants n'auraient été parlé de la même manière. Mais je ne suis pas en train de faire du prosélytisme en disant « Massoud, c'était l'homme de la situation, ainsi de suite. Voilà. » Donc, au même titre que j'étais pro-Massoud, certains de mes camarades étaient pro-talibans, ce qui est normal. Encore une fois, on doit essayer de rester objectif et de ne pas épouser la cause des gens qu'on côtoie. On n'est pas là pour ça. On est là pour comprendre ce qui se passe, pour identifier les forces en présence ou les forces naissantes, et pour renseigner sur la situation d'une zone. La perception individuelle qu'on peut en avoir, et par rapport au choix que pourra faire l'État français vis-à-vis de tel groupe, de telle région, etc., ça relève d'une appréciation qui doit rester personnelle. Bien sûr, on a le droit d'avoir son avis, on est des citoyens, on a le droit de vote, on a le droit de ne pas être d'accord avec les choix du gouvernement. Mais en tant qu'officier traitant et en tant qu'agent d'enseignement, on se doit d'être tenu à une objectivité la plus complète. Le service clandestin ne fait pas d'analyse géopolitique. Je disais toujours à mes hôtés, on est une flottille de chalutiers, nous on va chercher le poisson, on le dépose sur le quai, et ensuite il y a des gens qui sont là pour trier le poisson. Donc on collecte du renseignement, on le fournit à l'ADR, l'ADR est équipé, à des analystes, et c'est à eux de trier le bon renseignement du mauvais. Un renseignement tout seul, s'il est livré, il le sera forcément avec beaucoup de prudence si on ne peut pas le recouper, parce qu'effectivement, il peut y avoir intoxication. La présence d'armes chimiques
dans l'arsenal de Saddam Hussein n'a jamais été prouvé. Or, on a bien essayé de nous faire croire. Mr. Colonel Powell. Thank you very much, Mr. President. Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate in the fall of 2001. This forced several hundred... Je dis pas que ça n'existait pas, je dis qu'on ne l'a jamais trouvé. Et que nombreux sont ceux qui ont essayé de le dire sans jamais le prouver. Ils ont vu des camions passer, bon, personne d'autre les a jamais vus. Ça allait dans le sens d'autres services. À l'époque, moi, j'étais responsable de l'évaluation. Enfin, je gérais les sources qui travaillaient sur les armes de discussion massive. Et un jour, nous avons été convoqués chez le directeur et la question a été brutalement posée. Il en a ou il n'en a pas? Je pars à l'Élysée dans une heure, je veux une réponse. Ah! Moi, j'ai... Enfin, l'analyste a dit il n'y en a pas, pour les raisons suivantes. Moi, je dis, bah, écoutez, je ne peux que valider les sources qui sont citées, ainsi de suite, et notre conclusion, c'est qu'il n'y en a pas. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. La France en appelle à la responsabilité de chacun pour que la légalité internationale soit respectée. Il me semble que quand la France décide de ne pas intervenir en Irak, c'est que finalement elle a peut-être eu un bon renseignement qui a permis à M. de Villepin de ne pas mettre le doigt dans le grenage. Donc on peut dire que la DGSE a dit à ce moment-là, nous, du point de vue des ADM, des armes de destruction massive, on n'y croit pas. On a sans doute émis un avis dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. L'autorité de notre action repose aujourd'hui sur l'unité de la communauté internationale. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.